représenter un petit peu hein, tout ce monde. Allez, tout de suite, on va accueillir les arbitres de la rencontre. L'arbitre central sera monsieur Jonathan Presse, assisté de Adrien Trumois, Jordan Fetless, et le quatrième arbitre sera Christian Morard. Vous pouvez les applaudir. Allez, vous pouvez les applaudir, les arbitres de la rencontre. Présentation de la sélection russe, numéro 1, Denis Subotin. Numéro 3, Alexei Ponomarev. Numéro 4, Elisei Vitovsky. Numéro 5, Dimitri Botchuk. Numéro 6, Sergei Guk. Numéro 7, Aziz Muzdanov. Numéro 8, Ivan Malini. Numéro 9, Vladislav Denisov. Numéro 10, Alexandre Lukin. Numéro 11, Vladislav Muzik-Kitschik. Numéro 14, Vitali Kostrava. Numéro 16, Dimitri Ludin. Numéro 17, Vitality Lepekov. Numéro 18, Saïd Chakiev. L'entraîneur de cette équipe, M. Konstantin Vakeski. Allez, tout de suite, la présentation de l'équipe de France. Numéro 1, Thibaut Garros. Numéro 2, Léo Fétré. Numéro 4, Sofiane Alain. Numéro 5, Naoufel Aberkan. Numéro 6, Rahan Kandoussi. Numéro 8, Imani Abdou. Numéro 9, Samir Elmourabé. Numéro 10, Mara Diabira. Numéro 11, Ibrahima Niakate. Numéro 12, Axel Dupéré. Numéro 13, Cora Diop. Numéro 14, Selim Meziani. Numéro 17, Baptiste Jagère. Numéro 19, Mathis Gazangel. L'entraîneur de cette équipe, Monsieur Clément Le Rebourg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander de vous lever pour les hymnes nationaux. L'hymne russe.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Marseillaise. Michel Muffat-Joly, figure du football fédéral et pionnier du futsal tricolore, chef de la délégation de l'équipe de France de futsal depuis 1997 et président du district de l'Isère depuis 1992. Michel nous a quittés le 14 décembre 2021. Par respect pour sa famille, ses amis, la famille du futsal, je vous demandais de vous lever et de respecter une minute d'applaudissement. Allez, c'est parti, en place, et n'oubliez pas un seul message ce soir, allez les Bleus! Thank you.
But pour la Russie, marqué par son numéro 6, Sergueï Guk. Pour la Russie, marqué par son numéro 18, Saïd Chakef. Temps mort demandé. Je profite pour vous demander est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé des petits tickets or. Alors si c'est le cas, merci de vous faire connaître, de lever la main un petit peu, de voir un petit peu si vous avez gagné ce ticket or. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous juste en bas de l'escalier à la mi-temps. Vous participerez à un jeu de la Golden Bar, et ça à la mi-temps du match. Je reste persuadé, moi, c'est vous pousser un petit peu l'équipe de France, ils vont marquer un but, mais pour ça, il faut aller les chercher, ils comptent sur vous.
Plus fort. Thank you.
Tambor. Alors je vous rappelle, hein, le petit bulletin doré, vous avez rendez-vous juste en bas de l'escalier pour jouer à la Golden Bar à la mi-temps. Moi je vous trouve très très calme ce soir, les yeux très très calmes. Vous avez des drapeaux, vous avez des mains, vous avez des pieds, vous pouvez faire taper des pieds, faire du bruit. Allez les Bleus!
Mi-temps sous vos applaudissements. Vous pouvez en profiter pour aller vous restaurer hein, aux deux buvettes du gymnase. J'ai rappel pour la Golden Bar, il nous manque une personne. Il y a encore un ticket, regardez bien dans les petits livrets qui sont à vos places. Il manque encore un ticket. Allez, on va profiter de la mi-temps pour accueillir Léo de la Ligue de Normandie de football sous vos applaudissements. J'ai dit sous vos applaudissements. Alors Léo, on a un jeu hein, qui s'appelle la Golden Bar. Donc on a eu 4 tickets qui ont été mis sur les sièges et on a donc nos 4 gagnants. C'est ça ? Alors on va accueillir sous vos applaudissements Gaspard. Serge et Sabrina. Et Maëlle. Allez, venez là, ça va se passer ici. On a dit qu'on se mettait. C'est ici, je crois. Allez, tu nous rappelles les règles ? Alors, vous avez 2 essais pour toucher la barre. Du moment que vous tirez avec les pieds, ça compte. Et attention, il y a des cadeaux à gagner. Alors, nous, tout à l'heure, on a fait des répétitions. Je vous donne un tuyau. On a eu des répétitions tout à l'heure, avant que tout le monde rentre. Faut pas frapper dans le ballon comme ça. Voilà. Hein, c'est bien ça, on tape pas dans le ballon comme une mule, on essaye de placer le ballon. Moi j'ai vu quelqu'un tout à l'heure essayer, qui a pris le ballon comme ça, juste en dessous pour le lever. Alors Gaspard, c'est... Alors attention, hein, Lisieux, il va falloir encourager Gaspard pour son premier essai. Il s'appelle Gaspard, j'entends pas. Allez! On y va, on enchaîne hein, le deuxième essai. Hein. Oh, attention, et c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant qu'il faut tout donner et ils vont t'aider, tu vas voir. Allez Lisieux, aidez-le! Reste avec nous. Maël, hop. Eh bien, on pousse les bâtons, voilà.
Écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Prenez pas, voilà, essayez. On a fait des répètes, je vous le dis. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on a fait des répétitions. Regarde bien comment j'ai mis le pied. On peut faire voir comment on a fait tout à l'heure. On a mis le pied comme ça et on a essayé de lever le ballon. Je te promets que ça marche. Attends, regarde, il y a un truc magique, regarde, ils vont t'encourager, regarde. J'entends rien pour Maël. Allez, va rejoindre Gaspard là-bas. Serge. Bon Serge, ça va? T'as déjà fait du football? Il y a longtemps? Mais ça revient, tu vas voir. Où c'est que t'as joué? Tiberville, juste à la limite, hein, dans l'heure. Hein. Et les yeux, je vous présente Serge, ancien avant-centre de Tiberville. Allez, on encourage Serge! Allez, on y va pour le deuxième essai. Allez Serge, allez! Sabrina. Sabrina, t'as déjà fait du football? Ah oui, où ça? Non. On a une joueuse du CA Lisieux. Où est Lilian Le Barbier? Alors tu sais qu'à Lisieux, dans le temps, il y avait une musique hein, pour le CA. Allez les jaunes, allez les jaunes, allez les jaunes et noirs. Tu te rappelles pas de ça? Alors, on va faire ce soir, allez Sabrina! Allez! Eh ben c'est pas mal, dis donc. Allez, le deuxième. Et Lilian, il doit te regarder. Eh ben... Et voilà, vous partez pas les mains vides, puisque vous avez tous un cadeau de la Ligue de Normandie de football. Voilà. Gaspard, Serge, Maël... Et Sabrina, une petite photo. C'est dommage, hein, on va garder les beaux maillots de l'équipe de France. On avait quand même des beaux maillots de l'équipe de France à vous offrir. Hein.
Allez, la deuxième période va pas tarder à commencer. L'équipe de France, hein, va pas tarder à sortir du vestiaire. Ce serait bien, hein, quand ils vont sortir, les joueurs de l'équipe de France, qu'on les accueille sous un tonnerre d'applaudissements. Ils vont avoir besoin de vous pour cette deuxième période. On gagne un match avec son public, on gagne un match avec ses supporters. Ce soir, allez-y, on a la chance d'avoir l'équipe de France de futsal. Faut qu'on fasse un maximum de bruit. Leur faire voir qu'ici, à Lisieux, on aime le foot, on aime le futsal. Je compte vraiment sur vous. Hein. Et l'équipe de France arrive, mesdames, messieurs, du bruit! Et j'ai pas dit du bruit pendant 5 secondes. Allez les bleus! Allez les bleus! Information, hein, ce soir vous êtes 560 supporters ici à Lisieux, vous pouvez vous applaudir.
pour la Russie, marqué par son numéro 18, Salad Chakiev.
temps mort. On va en profiter, hein. Faire un petit... Comment ça va? C'est sur un 3-0 pour la Russie. Mais on compte vraiment sur vous, amis supporters. Lisieux, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit peu de bruit pour l'équipe de France ce soir? Vous avez des drapeaux? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, les Bleus! But pour la Russie, marqué par son numéro 5, Dimitri Postyuk.